Bienvenue à tous pour notre troisième séance déjà de notre cinquième semaine. On avance vraiment en très très grands pas. Aujourd'hui, même chose, deux petits exercices d'échauffement. On va enchaîner avec quatre exercices, pas en temps, avec des répétitions bien définies. Et on finira par un petit exercice, deux, trois exercices de stretching. Très très simple, on va commencer directement. Prenez une petite montre avec juste pour l'échauffement. Très très simple, on commence par 50 secondes de squat. Normal, on descend, on monte et on descend. Ok, on est parti pour 50 secondes. Ok, c'est parti. Très très simple. Où vous mettez vos mains devant, ou vous pouvez mettre vos mains dans la hanche. Ça, ce qui est important, c'est que le mouvement soit bien fait. Les jambes bien droites, pas trop mettre le tronc vers l'avant. Essayez de prendre un rythme bien soutenu de 50 secondes. Voilà. Et on travaille, on échauffe bien les jambes. Très très bien. Voilà. On sent qu'on échauffe, on met tous les muscles en fonction. Donc on commence vraiment à échauffer. On allume la machine comme on dit. Il faut sentir que le pouls augmente, que les jambes commencent un peu à piquer. Ça veut dire que ça commence à travailler. C'est très très bien. On tient un rythme. Voilà, pas trop bas. Ok, on en fait encore deux. Un. Parfait, très très bien. 50 secondes de squat, voilà, on a mis notre corps en mouvement, donc on commence vraiment bien à se mettre, à sentir que notre pouls s'augmente. On va faire la même chose. Maintenant, 50 secondes, 30 secondes de récup, 50 secondes de petits sauts. Voilà, très très simple. On va employer les bras aussi en même temps, c'est très important pour vraiment activer tout le corps. Allons, on est parti. Avec moi, hop. Voilà, bien souple, bien travaillé sur l'avant du pied. On fait des petits bonds et vous voyez que vous essayez d'avoir une coordination bras-jambes assez optimale. Comme un peu une course, comme si vous courez, sauf que c'est sur place. Et vous faites des petits pas, pas de trop grandes pas, c'est pas des fentes, c'est vraiment des petits sauts. Bien souple, il faut sentir qu'on commence à augmenter sa respiration. Voilà, on active tout le corps. C'est vraiment ça, c'est à ça que ça sert, un petit échauffement. Vraiment pour activer le corps, pour être prêt, pour enchaîner derrière les exercices. Voilà, on relâche les épaules, pas tourner du bassin. Ok, allez, encore deux. Un. Parfait, super. 1 minute 30 de récupération. On a fait bien monter le rythme cardiaque. On va commencer, on prend son petit tapis. On se prépare. Avec, essayez pour la séance de 4 exercices rapidement. On va faire des pompes, 15 pompes. On va faire 15 jackknives, donc des abdos croisés, 15 aussi. On va avoir des petits poids ou des bouteilles d'eau. Ça, c'est vraiment ce que vous avez sous la main. Avec des petits poids, on va descendre en squat et directement monter les deux bras en l'air. Et on va les enchaîner. Ça sera le troisième exercice. Et les quatrièmes, ce sera le pike jump. Donc, main, on va sauter, puis avant, arrière. Très, très simple. Ça, c'est les 4 exercices. Les 3 premiers seront en 15 répétitions. Et le dernier sera 12 répétitions parce qu'il est quand même un peu plus lourd. Donc, on n'a pas envie de se faire mal, de se brûler non plus. C'est la dernière séance de la semaine. Donc, on sent quand même un peu la fatigue. Donc, on diminue un peu l'intensité du 4e exercice. Voilà, on se prépare. Donc, plus ou moins... Voilà, 20 secondes, on va y aller. On se prépare pour faire les pompes. On va se mettre en position. Là, très important, prenez votre rythme à vous. Essayez vraiment de monter et descendre. Essayez de déposer le moins possible les genoux. Donc vraiment le faire en position de pompe. Allez, on est parti. On se met en position. On est parti pour deux pompes. Très, très simple. Voilà, les mains pas trop écartées. Et on pousse. Bien dans les bras. Voilà. On en fait 15, 13, 14 et 15. Super. Parfait. On reste sur le tapis. On passe sur les fesses. On va faire le jackknife. Donc les abdos croisés. Très très simple. Hop, ici. Et on va toucher. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Parfait. 15. Très très bien. Voilà, on sent que ça travaille.
Là aussi, essayez de prendre vos rythmes. Vous voyez, ça c'est vraiment super important d'avoir le mouvement gauche-droite. On va prendre ces petits poids. Si vous n'avez pas de petits poids, vous pouvez prendre deux bouteilles d'eau, vous pouvez prendre deux petits sachets de petits poids si vous voulez. Ce que vous voulez, quelque chose qui prend du poids, que vous ayez quelque chose en main. Pas trop lourd, entre 1 kg et 4 kg. Et on est parti. Alors, on descend et on monte directement bien haut. On en fait 15. Voilà. Très très bien. Essayez quand vous descendez, pas trop de tronc vers l'avant. Voilà, bien descendre au niveau des fesses et des cuisses. Pas trop pencher vers l'avant pour pas vous faire mal au dos. Essayez de garder une position neutre au niveau du dos. Allez, les 5 derniers. Très très bien. 2 et 1. Ok, super. On met ses petits poids sur le côté. Pas trop dans son champ parce qu'on va faire les pike jumps. Donc ça veut dire qu'on va sauter en avant, en arrière en mettant les mains au sol. Donc on se fait un peu de place. On se met ici. Hop. Et là on est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Super. Voilà notre 4 exercices d'aujourd'hui. Vous sentez, c'est quand même assez costaud. On récupère 1 minute 30. Profitez-en pour boire un petit coup, pour prendre notre petit essuie, mais surtout pour récupérer. C'est ça qui est plus important, c'est que vous recommencez le circuit avec un rythme cardiaque qui a vraiment baissé. C'est très important que ce rythme cardiaque baisse et que vous vous sentez vraiment « Ok, je suis prêt pour repartir pour 4 exercices » et pas rester dans un moment où on ne récupère pas, où vraiment on doit se tirer. Donc maintenant, on est à la 5e semaine, dernière séance. On est vraiment tout proche de la fin. Là, c'est vraiment, hop, on donne tout, on voit le résultat, on en vit et on continue vraiment à être concentré sur ce qu'on fait. Bien sûr, 1 minute 30, profitez-en pour vraiment récupérer. C'est long parce que quand on enchaîne les exercices, ça a l'air très long, mais 1 minute 30, c'est très très vite passé. Donc on reste concentré. On va déjà se préparer pour le suivant. Donc les pompes, on va en faire 15. On essaie de le faire sans les genoux au sol, vraiment de le faire droit. Si vous avez dur, vous pouvez mettre les genoux au sol, mais c'est vraiment bien avoir ce mouvement de pompe. Allez, on se prépare. On va y aller. On respire un bon coup, on se met en place et on est parti. Voilà. Vous voyez, vous prenez votre rythme à vous. Parfait. Super. Bien placé. Et 5. Super. 15 pompes. Vous voyez, normalement, avec les semaines qui s'enchaînent, c'est plus ou moins facile. On va enchaîner directement avec les jackknife, donc les abdos latéraux. On descend, on décolle les pieds et on va toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prenez votre rythme. Hein. Et 15. Très très bien. Super. On récupère. 10 secondes. On prend ces petits poids. Si vous n'avez pas les petits poids, prenez vos bouteilles. Vous voyez, c'est possible aussi. On se met en position sur le tapis, c'est aucun problème. Et on descend. Et on monte. Voilà. Essayez d'avoir une bonne position. Bien droite. N'ayez pas peur de bien tendre vos bras au-dessus. Voilà, on est parti pour 15, on sent que ça brûle dans les jambes et c'est surtout là qu'il faut bien maîtriser, bien faire attention à sa technique. Allez, encore 2, encore 1, super, très très bien, vous voyez c'est possible avec des bouteilles d'eau aussi. Voilà, on passe au dernier. Au pike jump, vous mettez vos mains au sol, vous faites un petit bond en arrière, petit bond en avant, on en fait 12. On se prépare, on est parti. Voilà, bien souple, n'allez pas trop loin avec vos pieds. 10,
et 12. Super, très très bien. On enchaîne bien les séances. Très très bien. Vous sentez que ça travaille. Vous sentez que votre peau augmente. C'est ce qu'on veut. Voilà, on reste concentré. Buvez un petit coup si vous voulez. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir comment vous récupérez le mieux. Si vous récupérez allongé, debout, assis, ça c'est à vous de voir comment vous faites. C'est aucun problème. Ce qui est important, c'est de rester à proximité pour qu'après 1 minute 30, on peut repartir avec nos pompes. On enchaîne 4 exercices. Voilà. Je crois que c'est un peu plus dur en le faisant par rapport au premier avec des répétitions. Mais comme on s'est préparé en faisant du 30 secondes, 30 secondes et après du 40 secondes, 20 secondes, on est prêt pour enchaîner des 15 ou 20 répétitions. Donc voilà, on reste bien concentré. On sent que ça travaille. Surtout, c'est important, c'est que vous sentez que ça travaille. Allez, on va se préparer. Toujours dans 25 secondes plus ou moins. Essayez de bien respecter la minute 30, pas plus, mais pas moins non plus. Très très important. Parce que si vous prenez moins, vous allez avoir dur pendant les exercices. Si vous avez plus, vous allez faire un autre type de travail. Donc restez bien concentré sur votre récupération. Et dès qu'on est à 1 minute 30, voilà, on va bientôt y aller, on se prépare. On est parti pour 15 pompes. Voilà, essayez vraiment bien travailler au niveau des épaules. Serrez les abdos et les fesses. Restez bien en planche. Voilà, prenez votre rythme. Vous pouvez le faire avec un petit arrêt au-dessus. Ça ne me dérange pas. C'est vraiment faire 15 pompes d'affilée. Super. Très très bien. On va passer au jackknife. On se met en position. Toujours une récupération moindre. Donc 10-15 secondes maximum. On enchaîne directement. Jackknife, on lève juste le haut. On serre les abdos. Hop, et on va toucher. Voilà. 11, 12, 14 et 15. Parfait. Super. On va passer au dumbbell squat. Très très simple. Prenez vos petits poids ou vos bouteilles d'eau ou ce que vous avez qui fait du poids, même des grands magazines ou quoi que ce soit. Quelque chose qui fait du poids, qui est facile à prendre en main. On est parti pour 15. On touche. Et on monte. Super. Essayez vraiment de prendre votre rythme. Hop, directement d'en bas. On tend les bras en l'air. Super. Hop. Très, très bien. Voilà, on reste concentré. On sent que ça travaille au niveau des jambes et des épaules. C'est la fin. Encore. Parfait. Et un dernier. Ok, super. Très très bien. Très bon travail. On met ces petits points sur le côté. Et on enchaîne avec le dernier. Un petit pike jump. Très très simple. Pied avant-arrière. On en fait 12. Et c'est parti. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12. Voilà. Super. 1 minute 30 de récupération. On a fait notre circuit de 4 exercices. On a vraiment bien travaillé. Vous voyez, on va travailler un peu plus la force que le cardio. C'est important de travailler quand même la force. Pas pour attraper des gros bras ou pour prendre des muscles. C'est vraiment pour activer vos muscles qui deviennent vraiment actifs et que dans la vie de tous les jours, vous allez sentir mieux positionné, moins essoufflé et beaucoup plus fort au niveau de vos jambes, de vos fesses et de vos abdos. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de bénéfices. Vous devez déjà le sentir, ça fait 5 semaines qu'on travaille ensemble. Donc vous devez quand même vous dire, ah je sens la différence, j'ai peut-être perdu un peu de poids aussi. C'est important, ça c'est vraiment aussi lié à votre alimentation, comment vous dormez et que vous ne buvez pas trop d'alcool, bien vous hydrater, pas trop faire la fête pendant le week-end. Donc profitez vraiment de cet instant pour faire du sport, mais à côté aussi avoir une qualité de vie un peu meilleure au niveau de la nutrition, au niveau de vos activités. Donc profitez vraiment de cet instant pour une remise en question, c'est important aussi. On va faire un petit stretching, très très simple. On va descendre, on va se mettre en place, on va faire un petit stretching au niveau de l'ischio fessier. Et
très très simple, vous allez voir. Comme j'ai déjà dit, étirement c'est quand vous voulez. Donc on va mettre la jambe devant, voilà. On va garder le dos droit et on va aller chercher avec sa main opposée. Voilà, la pointe de pied. Petit étirement, assez facile. Voilà, vous étirez bien. Vous tirez la pointe de pied vers vous. Voilà, pour sentir vraiment toute la chaîne qui s'étire. Voilà, vous tenez ça 30-40 secondes. Ça, c'est vraiment illimité. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous étirez bien. Essayez de chercher, vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre la main, la même main, et mettre une main par terre, vous pouvez le faire aussi. Voilà, il faut vraiment, ce qui est important, c'est que vous sentez que ça étire toute la chaîne. C'est ça qui est important. Voilà. Très très bien. Parfait. On sent que ça étire. Ok. Vous pouvez rester assis. On a quand même fait beaucoup de bras avec les poids et les pompes. Donc on va faire un petit étirement au niveau des épaules. On va pousser son bras vers l'extérieur. La main opposée tire le bras vers soi. Et voilà, on étire tranquillement. Ça aussi, vous tenez 30-40 secondes. Vous pouvez le faire assis, couché, sans aucun problème, debout. Faites la même chose de l'autre côté. Pas tirer, tournez vos épaules. C'est vraiment le bras qui pousse l'épaule. Voilà. Bien souple. Très, très bien. Voilà. Vous échecouez un peu vos bras. Il y a plein d'autres étirements que vous pouvez faire. Voilà, moi j'ai montré ces deux-là. À vous de prendre dans les autres séances, des autres étirements. Nous, on se voit la semaine prochaine en forme. Pour, n'oubliez pas, bien manger, bien boire et bien dormir. Et à la semaine prochaine pour la dernière.